genre de scène et de place que je m'imagine être proche des artistes. Ça donne une chance de connaître des nouveaux artistes. C'est vraiment génial. Là. J'ai découvert ce chanteur-là que je connaissais pas encore. S'ils ont vraiment plu aux gens, ben, ils vont revenir pour un spectacle. Du résultat que vous avez pu donner comme performance. Oh, ouais, c'est super. Moi, je trouve que vraiment l'ambiance était bonne, l'écoute était là. Je pense que les gens qui. Ben, c'est le temps de l'opportunité. Mais peu importe la salle qu'on fait, peu importe la grosseur, je veux dire, quand il y a du nouveau monde comme ça qui peut nous voir, puis, c'est une opportunité qui est tout le temps intéressante pour nous autres. Puis, mais en tout cas, présentement, on donne une des chansons, la chanson Mon Allée, qui était dans le premier teaser. On la donne en téléchargement gratuit sur monogrenade.com. Puis on se retrouve chez Bienvenue, tantôt. Ouais, ben oui. Puis, ben écoute, on va inviter les gens à surveiller notre programmation, parce que peut-être que vous serez les nôtres aussi, peut-être en prochaine saison. Fait qu'on va regarder ça ensemble, puis on va suivre l'évolution de cette belle sortie d'album. Super. Merci beaucoup. Hein. Merci, merci à vous autres. C'est super. Merci. Bonne suite. Là, je fais trois shows au lieu de deux, fait que bonus. Je fais une première partie pour Dumas, c'est le fun. Ouais. C'est le fun, ça, des ouais, belles surprises. Une invitation spontanée, ça, ouais. Ouais. Ben, c'est un bon signe, finalement, quand on se fait inviter comme ça sur le plan, puis qu'on est capable de relever le défi, fait que tu n'as aucun problème avec ça. Ça se prend avec plaisir. Oui, fait que ça va être une belle occasion pour les gens de te découvrir en haut, puis peut-être de venir chez Bienvenue après pour voir la deuxième vitrine que tu vas faire. Ben oui, ben oui, trois shows dans la même soirée. Ça, c'est spécial. C'est rare que ça arrive. C'est des petites séquences, ouais, tu gardes toujours un petit peu d'énergie, tu laisses c'est comme un show, là, tu rabotes tout puis ça donne un show. Je pense que les gens ils ont vraiment aimé. Hein, c'est bien passé. Ouais. J'étais un peu bavard, là. Ça m'arrive des fois là, de parler trop entre les tunes. Quand je suis tout seul, je fais tout le temps ça. Pas super bien pour toi, Jimmy. Ouais. Hein, tout est en train vraiment, tout se place. Ça fait longtemps que tu travailles pour ça, par exemple? C'est combien de temps? Ça fait un bout de temps. C'est le premier album, en fait, qui que je donne autant de suivi. Parce que tu sais, je fais des spectacles et tout, mais ça fait une dizaine d'années que je fais de la musique facilement. On espère qu'on va avoir la chance de te revoir prochainement, peut-être cet automne, j'espère, peut-être parce en que c'est haut pas mal pour beau, faire une première partie, mais pour en faire plus. J'aimerais ça. C'est beau par ici, et puis l'accueil est très chaleureux. Fait que, ben, en espérant que. Merci d'être merci venu. À toi. Oui, que c'est très très facile d'avoir la chair de poule quand on est près comme ça de la scène et des gens. Ben, Jimmy Hunt, c'est mon album francophone 2010. Ce que j'ai vu sur scène, c'est ce que j'ai sur disque. Une découverte à ne pas manquer. Vous allez le revoir sur les scènes. Probablement la découverte d'année à la disque en 2011. Je préfère t'emmener en motocross dans les algues. Sentir ton cœur battre dans mon dos, dans mon dos.